C'est Ludel, c'est notre frère guinéen. Pourquoi Alpha Condé veut détruire c'est Ludel, Gallo et UFDG? Pourquoi? C'est là le problème. Essayez de partager massivement. Je vais vous expliquer quelques points. Vous allez comprendre. C'est très facile à comprendre, la famille. Est-ce que vous comprenez? Essayez de partager massivement, la famille. Pourquoi Alpha Condé et son gouvernement veut toujours détruire l'UFDG et celui de l'Engalo? Parce que tout simplement, les Guinéens sont méchants. Les Guinéens sont méchants. Pourquoi les Guinéens, vous pouvez soutenir Alpha Condé d'abandonner votre frère? Celui de l'Engalo, c'est notre frère. Alpha Condé n'est pas un Guinéen. Alpha Condé n'est pas un Guinéen. Alpha Condé, il est Burkinabé. Alpha Condé est Burkinabé. Mais comment aujourd'hui vous pouvez abandonner votre frère dans le combat d'aller soutenir Alpha Condé juste à cause de votre intérêt? Pourquoi? Laissez l'intérêt. L'intérêt là, ça ne va nulle part. On va tous mourir ici. On va laisser l'intérêt personnel ici. On va laisser l'intérêt personnel ici. Pourquoi vous pouvez laisser, et là c'est Ludel Ngalo dans le combat aujourd'hui, d'aller soutenir un individu qui vient de Burkina? Nous savons que Alpha Condé n'est pas guinéen. Il n'est pas guinéen. Alpha Condé, son papa et sa mère, ils sont venus en Guinée, mais ils ne sont pas des Guinéens. Ils ne sont pas des Guinéens. Alpha Condé est né en Burkina. C'est un Burkinabé. Mais la Guinée, pourquoi vous voulez abandonner le combat? Pourquoi vous voulez instaurer dans la tête de la jeunesse que oui, c'est les Peuls sont des traîtres, les Peuls, quand vous aides à les Peuls d'accéder au pouvoir, ils vont vous trahir, ils vont vous maltraiter, ils vont vous faire comme ça, ils vont vous comme ça. Laissez ça, la famille. C'est un faux débat. C'est un faux débat, la famille. C'est un faux débat. C'est Ludel, son papa est né en Guinée. Son arrière-grand-papa, grand-père est né en Guinée. Il est né en Guinée. Son arrière-papa, grand-père est né en Guinée. Mais Alpha Condé qui n'est pas guinéen, Alpha Condé qui est né en Burkina. Mais pourquoi vous soutenez Alpha Condé dans le mensonge aujourd'hui, la famille? Réveillez-vous. C'est nous, la jeunesse, qui souffre aujourd'hui. C'est pas Alpha Condé qui souffre, mais plutôt c'est nous, la jeunesse, qui souffre. Essayez de partager la UF, comment elle s'appelle, tous ceux qui sont à l'opposition. Essayez de partager la vidéo de vos communicants. Essayez de partager maximum, parce que la vidéo dérange le gouvernement d'Alpha Condé. Il ne faut pas minimiser les vidéos. Il ne faut pas minimiser les vidéos. Les vidéos dérangent Alpha Condé et son gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Ça les dérange. Ça les dérange. Donc il faut enregistrer les vidéos. Il faut partager les vidéos maximum. Maximum de partage la vidéo, s'il vous plaît, la famille. Parce que la vidéo de vos communicants, la vidéo véridique les dérange. Parce que nous, on ne va jamais soutenir le mensonge. C'est pas parce que je suis sous et je ne peux pas soutenir, et là, c'est Ludel Ngalo. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. On est tous des Guinéens. On est tous des Guinéens. Je préfère Alpha Condé et je préfère c'est Ludel Ngalo au lieu d'aller soutenir Alpha Condé. Parce que Alpha n'est pas guinéen. Il est africain comme nous. Nous tous. Nous savons que les Africains, on est morts. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que je peux abandonner mon propre frère guinéen d'aller soutenir un Burkinabé? C'est impossible. Ça n'existe pas, la famille. C'est comme si les Burkinabés, un Burkinabé ne peut pas abandonner son frère de venir soutenir un Guinéen. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, essayez de partager, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes activistes qui ont peur aujourd'hui d'aller en prison. Parce que tout simplement,
Ils ont emprisonné Malik Sans Frontières. Ils ont emprisonné Suleiman Kondé. Ils ont emprisonné Ismaël Kondé. Ils ont emprisonné Oumar Silla, dit Fonike Menge. Vous comprenez, non? Ils ont emprisonné tous nos frères. C'est parce que Alpha Condé n'est pas fort. C'est parce qu'il n'est pas fort. Monsieur l'ex-président, il n'est pas fort. Si un président qui est fort, il n'a pas besoin d'emprisonner la jeunesse. Un président qui est fort, il n'a pas besoin d'emprisonner son peuple. Ça n'existe nulle part. Surtout les activistes. Vous savez que vous êtes fort, mais pourquoi vous voulez emprisonner tous les communicants? Pourquoi vous voulez emprisonner une partie? Pourquoi vous voulez emprisonner un parti politique? Mais pourquoi, monsieur le président, si vous êtes fort, vraiment fort, laissez les gens communiquer dans la dignité. Laissez les gens communiquer, de faire leur communication dans la dignité. C'est parce que monsieur le président Alpha Condé, il est faible. Il est faible, c'est pourquoi il fait les arrestations. On a vu le feu général Lansana Conté. Le feu général Lansana Conté, il n'a jamais arrêté quelqu'un en Guinée. Le feu général Lansana Conté n'a jamais arrêté quelqu'un en Guinée. Jamais plus grand, jamais arrêté quelqu'un en Guinée. Mais parce qu'il est fort, il est puissant. Mais pourquoi aujourd'hui Alpha Condé, il emprisonne, il arrête les Guinéens? C'est parce que, monsieur le président, vous êtes faible. C'est parce que vous êtes faible. C'est pourquoi vous emprisonnez les Guinéens aujourd'hui. Et je vois les Guinéens aujourd'hui de soutenir Alpha Condé, de soutenir un Burkinabé qui est né en Burkina. Un Burkinabé qui est né en Burkina. Comment est-ce possible que les Guinéens puissent soutenir un Burkinabé, abandonner leurs propres frères? Essayez de comprendre la famille. Et là, c'est Ludel Ngalo, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui est sage. Même si, et là, c'est Ludel Ngalo, reste chez lui, il est puissant. Il a combattu Alpha Condé corps et âme. Pendant 10 ans, il n'arrive pas à travailler. Pendant 10 ans, il n'arrive pas à faire son activité. Donc ça, c'est une grande chose. C'est une grande chose. C'est un homme digne. C'est Ludel, il est un homme digne. Il est un homme digne. Il est un homme digne. Donc la famille, qu'est-ce que je veux vous dire? N'ayez pas peur. Parce que tout simplement en Guinée aujourd'hui, on parle de l'ethnocentrisme. Donc on doit faire nos prières. On doit gêner pour la Guinée. Parce que la Guinée c'est pour nous, c'est pas pour Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas un Guinéen. Monsieur le Président n'est pas un Guinéen, il est Burkinabé. Nous les Guinéens, on doit gêner, on doit faire nos prières. On doit appeler Dieu, on doit appeler Allah ou Jawagal de revenir encore en Guinée. Parce que Allah a déjà quitté en Guinée. Allah a déjà quitté en Guinée. Parce que Dieu n'aime pas l'ethnocentrisme. Dieu n'aime pas le racisme. Dieu n'aime pas le communautarisme. Mais aujourd'hui, purement communautarisme se passe en Guinée. Purement racisme se passe en Guinée. Purement l'ethnocentrisme se passe en Guinée. Ça veut dire que Dieu a déjà quitté en Guinée. On doit faire des prières. On doit faire le jeûne pour ça. Puisque Allah ou Jawagan se retourne en Guinée. Parce que dans le Coran, Dieu nous a dit dans le Coran, ô homme, je vous ai créé d'une mâle et d'une femelle et d'une mâle femelle. Puisque vous entreconnaissez, le meilleur entre vous, c'est celui qui crée en Allah ou Jawajal. C'est fini. Il n'a pas dit, ô les peuls, j'ai créé les peuls, une mâle et une femelle. Ô les malinqués, j'ai créé les malinqués d'un mâle et une femelle. Ô les soussous, j'ai créé les soussous d'un mâle et une femelle. Il a dit, ô homme. Quand Allah Oujawajal dit, ô homme, je vous ai créé d'un mâle et une femelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois malinqué, tu sois peul, tu sois soussou, tu sois forestier, tu sois blanc, tu sois noir, tu sois chocolat, tu sois vert. On est tous égaux. Le meilleur entre nous, c'est celui qui crée en Allah Oujawajal. Mais pourquoi vous pouvez abandonner votre frère aujourd'hui d'aller soutenir Alpha Condé? Un Burkinabé. Un Burkinabé. Essayez de partager la vidéo. C'est très important.
c'est très important de partager la vidéo parce que la vidéo dérange le gouvernement. Nous, on n'insulte pas, mais on va toujours dénoncer, toujours mettre la pression sur le gouvernement. Parce que nous, on n'est pas des démagogues, on n'est pas des ethnos. On n'est pas des ethnos. Combien de jeunes se retrouvent en prison aujourd'hui? Après, vous, la jeunesse guinéenne, vous venez sur le réseau, vous dites que oui, Seloudel doit sortir chez lui, Seloudel a peur d'aller en prison. Non! Seloudel n'est pas comment il s'appelle? Le président sud-africain, comment il s'appelle? Nelson Mandela? Seloudel, il doit faire comme Nelson Mandela? Non! Seloudel n'est pas Mandela! Seloudel et Mandela, il y a une très grande différence. Seloudel, Nelson Mandela, il est Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'était son destin d'aller en prison, de faire 27 ans de prison. Après 27 ans de prison, il vient au pouvoir. Mais pour Seloudel, si Dieu n'est pas prescrit pour Seloudel, donc c'est nous les militants, les combattants, les Guinéens qui doivent toujours pousser, soutenir. Et là, Seloudel Ngalo, d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Alpha Condé n'est pas guinéenne, la famille. Alpha Condé se réclame aujourd'hui. Il se réclame aujourd'hui que sa maman, elle est Soussou. Sa maman, elle est Soussou d'où? Que sa maman, elle est Soussou de Boké. Les Soussou, ils ont tout fait. Les Soussou, ils ont marché tout Boké. Et bien, il y a des gens qui ont fait des choses, et qui ont fait des choses, et qui ont fait des familles, et qui ont fait des choses. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme. Quand Alpha Condé m'a fait que ce soit une soussoué nara. C'est 2010, Alpha Condé se réclame sa maman comme une femme soussou. Womou nomme Woyarabide, soussoué. Soussoué, Woyarabi. Alpha Condé m'a fait que ce soit un gouvernement. Woyarabi. Alpha Condé m'a fait que mara. Alpha Condé y a-t-il une camara. Mais comment est-ce possible que Burkinabé n'a pas fait la Guinée? Burkinabé n'a pas fait la Guinée. Arawo Tanya Iso, Arawo Bravo Boré, Arawo Boré la Guinée Kagere. Ouara Seloudel Ngere Alpha Condé Bé. Et pourtant Alpha Condé n'est pas guinéenne, la famille. Comment vous pouvez insulter Ela Seloudel Ngalo à cause d'Alpha Condé? Comment vous pouvez humilier Ela Seloudel Ngalo à cause d'Alpha Condé? Mais regardez quelque chose. Tous les vrais hommes, toutes les femmes dignes, les femmes qui se respectent, ils ne supportent pas Alpha Condé. Tous les communicants d'Alpha Condé, ce sont des putes, ce sont des bordels. Regardez ces communicants, tous les communicants d'Alpha Condé. Regardez les femmes qui viennent communiquer au nom de RPG Arc-en-Ciel. Ils sont tous des putes. Ils sont tous des bordels. Je n'ai jamais vu une femme sage en train de soutenir Alpha Condé. Mettez-moi le cœur. Au cœur ça. Va me payer na. Et dans ma vidéo, et dans la vidéo signaler fait. Mettez le cœur, s'il vous plaît, la famille. Ils sont en train de signaler la vidéo. Partagez maximum et mettez le cœur, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler la vidéo, s'il vous plaît. Parce que les Guinéens n'aiment pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, la famille? Est-ce que vous comprenez? Tous les communicants d'Alpha Condé, ce sont des putes. Regardez bien les femmes, les filles qui viennent défendre RPG Arc-en-Ciel. Ils sont tous des bordels. Il a dit qu'il n'y a pas d'Alpha Condé soutenir. Jamais. Amunana.
Mais Wamato, Alpha Condé a communiqué, Bering. Ne Guinée du Mène, Rébi, une femme a communiqué des réseaux sociaux, Adassi Pra, Fama, Mumbabanara, Munganara, Munsoronara, Muminsara, Minsenu Mise. Et Bering Lango Guinée. Et Bering Lango Guinée, depuis Alpha Condé Famengayara, Langoya Nantuna Wongwani. Depuis Alpha Mengaya, Balangoya, Falangoya. Aba Langoya, Falangoya. Depuis Alpha Condé n'a pas wongwani, Aba Langoya, Falangoya. Langobang Yebati wongwani, Hôtel Yebatina. Hôtel Yebatina. Donc, monsieur le président Alpha Condé, vous êtes Burkinabé. Nous les Soussous, nous les Guinéens, nous les Peuls, nous les Malinké, nous les Forestiers. Momo Garou Meyara. Parce que tout simplement, vous êtes des Burkinabés. Vous êtes venus vous imposer en Guinée. C'est parce que la politique guinéenne est très faible. Sinon, un Alpha Condé ne devrait pas s'imposer en Guinée. C'est parce que les Guinéennes, et bara à s'irader au Nikui, foule moufang, on a foule soutenu, yamfantena na foulera, foule teriki, foule goriki, foule teriki, foule goriki. Ou Alpha Condé n'a rien soutenu fait, Alpha Condé yamfanté d'unième riberimbe. Alpha Condé yamfanté d'unième riberimbe. D'unième riberim, Alpha Condé yamfanté abimbe. Au vidéo partagez la famille, au vidéo partagez s'il vous plaît. Voilà, au vidéo partagez. Donc, les Guinéens Sosoué, les Guinéens Foulé, les Guinéens Malinké, les Guinéens Forestiers, les Arabes, on a remarqué à soutenir, on a regardé Luna, on a foulé fait Luna, foulé fait Moya, Malinké fait Moya, Sosoué fait Moya, Forestier fait Moya, les Guinéens fait Nanya. Parce que Alpha Condé Malinké Mara, Alpha Condé Malinké Mara, s'il était Malinké, là on pouvait comprendre. On a fait ouais, mani, les Malinké, ils ont raison. Est-ce que vous comprenez fait? Mais Alpha Condé, il n'est pas Malinké. Mais pourquoi vous soutenez Alpha Condé aujourd'hui à cause de vos intérêts? Pourquoi? À cause de vos intérêts, vous soutenez Alpha Condé aujourd'hui. Tout le monde a oublié l'intérêt de la Guinée. Tout le monde. Mais pourquoi vous ne soutenez pas l'intérêt de la Guinée, la famille? Les Guinéens qui ont été en train de faire des aventures, les Guinéens qui ont été en train de faire des aventures, ils ont été en nationalité, ils ont été en train de faire des aventures, ils ont été en train de faire des aventures, ils ont été en train de faire des aventures. Burkina, c'est le Burkina, enfin les Guinéens, ils ont été en train de faire des aventures, ils ont été en train de faire des aventures. Ils ont été en train de faire des aventures, ils ont été en train de faire des aventures. Woman fa branamon wo iforoa ethnocentrisme ya nan dengi fe wongwani wo ethnocentrisme ya luna awola mawuga magere wola mawa Alpha Condé nan gere parce que nanan na infiltrera nanan fa wongwani la gina kanan na wontana Alpha Condé la gina kamara wola mawuga Alpha Condé nan gere wo mula mawuga seluga magere wo Alpha Condé nan gere ma parce que nanan fa wongwani Alpha Condé nan fa wongwani anaka anga sosoué na panga na mende anga gaburi na mende anga ga mere na mende sosoué wo ya ga biwo fanga dunia kolomfa mere ga ba wo fam madaru fe ina fala lansana kuyate l'ex premier ministre nga sosoué na ga lansana kuyate nga sosoué na ga biga kolom lansana kuyate il est malinké mais sa maman elle est sosou. Donc, je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire sa maman elle est souma. Donc, je ne sais pas si je suis en train de me faire un camarade, 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 un camarade. Il a senti qu'il y a un gara mère et tout, jusqu'à présent, il a un gara mère exigé fait. Parce qu'il y a un gars sous un gara. Mais étrangers nous font, beaucoup de bêtes nous font, Burkinabé nous font, et nous font savoir où nous foulez moufang, foulez teriki, foulez goriki. Moi, que l'on s'est fait combien de temps où nous foulez d'or? N'a siècle hier où nous foulez d'or? N'a siècle hier où nous foulez d'or?
wabara melo kerem fule mufang ebara ila ngora ebara ila ngora ebara ila ngora ebara ila ngora. Donc wora démagogie yalu combat continue wo belaka so wo boroyi meriona ga madbilen combat kui e la gina kabrin sa mageli e la gina kabrin sa geli. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Alegina keti ma Burkina be reberin sa geli. Burkina be wo kanna bolo Burkina be ga wonberin sa geli. Wo kanna bolo Burkina be ga wonberin sa geli. Wo tanaga na legina dira, wo tanaga na legina la Syria, wo tanaga na legina Baridira. Burkina be sa keli Burkina afa legina nu wo sa geli. Et puis, je me mini et nous appelons, c'est l'oudel en terriki, c'est l'oudel en goriki, c'est le terriki, maninke terriki, mais forati est terriki. Mais je me suis dit, c'est le wobefa, ou yarabifa. Alors, je me suis dit, Roma. Parce que le mensonge est devenu une religion en Guinée. Les Guinéens adorent le mensonge plus que l'islam aujourd'hui, en 21e siècle. Je vous répète encore. Nous les Guinéens, on adore le mensonge plus que l'islam, notre religion. Yo, plus que l'islam aujourd'hui. Birimbar boule batou, birinara intérêt katafé, birinara y katafé. Wata mounoma ou yarabide, wamounoma ou yarabide. Alpha Condé de sa mageli, wantan sosode, wantan maninkade, wantan foulade, wantan forestier de. Alpha Condé baye Burkina ne. Abaye Burkina ne. Ababa fa finde maninkera. Mais essentiel, lui il est né en Burkina. Il est Burkinabé. Comment est-ce possible qu'un Burkinabé peut venir blaguer la politique guinéenne? Peut venir imposer sur la politique guinéenne? C'est que la politique guinéenne est faible. La politique guinéenne est faible. Sinon, un étranger ne peut pas venir s'imposer chez vous en Guinée. Après, vous parlez des peuls. Vous dites que c'est les peuls, c'est les peuls. Celui-là, il est mieux soucieux que vous. Il est mieux peul que vous. Il est mieux malinqué que vous. Il est mieux forestier que vous. Parce que son papa est né en Guinée. Son arrière-grand-père est né en Guinée. Personne ne peut démentir cela. Personne. Personne ne peut démentir. Donc il est pur guinéen. C'est le pur guinéen. Si quelqu'un est infiltré en Guinée, si quelqu'un n'est pas un guinéen de la politique guinéenne, c'est M. Alpha Condé. C'est le président de la République. Mais pourquoi un président qui réclame sa victoire, mais pourquoi le président de la République, M. Alpha Condé, vous ne voulez pas vous retourner dans les urnes? Si réellement vous avez gagné les élections, pourquoi vous ne voulez pas vous retourner dans les urnes? Pourquoi vous ne voulez pas vous retourner dans les urnes? Si vous êtes gagné, si vous croyez que vous êtes gagné, vous êtes le gagnant, retournez-vous. Je vous dis bien, retournez-vous dans les urnes. On va comprendre que qui a gagné dans les urnes. Mais pourquoi vous refusez de vous retourner dans les urnes? C'est parce que vous avez perdu. Vous avez perdu, monsieur le président Alpha Condé. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Trop, c'est trop. Vous avez perdu. La Guinée, c'est pour nous, les Guinéens. C'est pas pour un Burkinabé. C'est pas pour un Sénégalais. C'est pas pour un Ivoirien. C'est pour les Guinéens. Un Burkinabé ne doit pas s'imposer en Guinée. Un Burkinabé ne doit pas s'imposer en Guinée, la famille. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous, trop c'est trop. C'est pas pour une seule communauté, c'est pour tous les Guinéens. Na sosodi etoto, sosodi na refama Alpha Condé soutenir. Woyana mayoro mambe. Woyana mayoro mambe. Alpha Condé na ramora communauté combattu pendant 24 ans de lutte. Awora communauté combattu. Awora communauté combattu. C'est parce que vous avez intérêt, pas même à cause de l'ethnocentré. Vous n'êtes pas les soussous.
nous ne sommes pas des ethnos. Tous les soucis que vous voyez en train de défendre Alpha Condé, c'est leur intérêt personnel. C'est comme si je vois certains soucis maudits qui viennent sur les réseaux sociaux et disent que oui, chaque enfant en train de prendre le terrain des soucis dans la main des peuples. C'est parce que chaque enfant, c'est un bâtard. Il n'est pas un vrai soussou. Un vrai soussou ne va jamais réclamer son terrain. Le terrain que chaque enfant est en train de retirer dans la main des peuples, c'est purement l'ethnocentrisme. C'est pas, je vous dis, la famille, parce que je vois quelques vidéos qui disent que ouais, les soussous, c'est des ethnos. Les soussous, nous, on n'est pas des ethnos. Ethnocentrisme, Mouna Montana. Et les soussous qui se disent que oui, ils sont contents de chaque enfant, que chaque enfant est en train de mêler un combat noble, c'est que c'est des maudits soussous. C'est des maudits soussous qui pensent comme ça. C'est des maudits soussous qui pensent comme ça. Parce que les terrains que chaque enfant est en train de retirer aujourd'hui par la complicité de monsieur le premier ministre Kassori Fofana, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas des vrais soussous. C'est des Fofana. Les Fofana ne sont pas des soussous. Comme c'est des ethnos, c'est des malinqués, c'est pourquoi ils sont en train de retirer le terrain à les mains des peuples. Je vous ai dit, je mets ma tête à couper. Montrez-moi, à part de la capitale, derrière Koya, derrière Debeka, montrez-nous un seul terrain qu'un peuple a acheté dans la main d'un soussou. Ça n'existe pas. Si chaque enfant réellement, il veut récupérer, il est en train de mener un combat noble, un combat des Sosoka, mais il y a les malinqués à Boké, il y a les malinqués à Fokaya, il y a les malinqués à Koya, il y a les malinqués derrière Koya, que les Sosou, ils ont donné le terrain cadeau, gratuitement. Mais pourquoi chaque enfant ne retire pas le terrain là à la main des malinqués? Pourquoi ils ne retirent pas les terrains là à les mains des malinqués? Pourquoi toujours c'est les peuls? C'est parce que c'est des ethnos. Mon temps social, ethnocentrisme, mon. Chaque enfant n'a combat n'a rien à faire. C'est pas un combat pour les soussous. C'est un combat, c'est un intérêt personnel. C'est pas pour nous les soussous. Mon temps social, mon bord, sur ma foule, yoï. Wanasiga, Telemele, c'est la basse-côte. Sosio basse, Ranara sur Fouleï, jamais. Wanafa Kundara, Kundara c'est la basse-côte. Wabara, mais ce se dit Kerende, ce se dit Kering, a fallu faire que, ouais, basse-côte, Mounbeinanya, jamais. Amunana, Amuna, Inafa Kindia, Inafa Boke, Inafa Bofa, Inasiga Kamsa. Wabara, mais ce se rabore réclame ma. À chaque enfant, on va boire la sur fait fouler yira. Boire une arène à maninke y koya. Boire une arène à maninke y kanka sande eboke. Boire une arène à maninke y bofa. Boire une arène à maninke y fokaya. Boire une arène à maninke y ra kindia. Et reste gira na boire bir nasou. Et reste na boire bir nasou. Là, on peut comprendre que c'est un combat noble pour les soussous. Mais d'aller retirer les terrains. Communauté Kérigny, après il fallait que ouais, ce soit un combat. Nous ce soit aborder de la montagne. Ce soit nous, on n'a pas besoin d'un avocat. On n'a pas besoin d'un avocat. Donc, la famille, on concentre, on combat. C'est Ludel Ngalo, c'est notre frère.